Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live du lundi 9 octobre 2023. Il est 19h59, presque 20h. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu as eu ton fanart GeoGuessr? Oui. Oui, attends. Qui se souvient? C'est moi. Vous me reconnaissez? C'est moi, c'est mon personnage. C'est mon skin sur GeoGuessr. Et vous, c'est quoi votre skin sur GeoGuessr? Est-ce que je pourrais avoir des... Parce que j'ai eu plein de fanart de mon skin sur QSMP. Est-ce que je pourrais en avoir plein aussi de lui tout de même? C'est quand même important, c'est le jeu que j'ai le plus joué sur ma chaîne Twitch. Donc voilà. Mais attends, est-ce que je peux le retrouver? Est-ce que... Comment je peux vous le montrer? On me l'a envoyé sur Instagram. Attends, faut que je trouve le compte de la personne. Au pire, sinon je vous le montre là, mais... N'est-il pas magnifique? Je pensais pas que quelqu'un le ferait, en vrai. Je pensais pas que quelqu'un le ferait. Merci Economie pour les 3 mois. Alors prêt pour demain, trop content d'être sur place demain. Bon, prêt ou pas, enfin j'ai rien à préparer en fait. Hein. Je serai sur place, c'est tout. Et ça va être trop bien, ouais. Ça va être trop bien. Le petit popcorn là au Folies Bergères, avec Étoile, Bagheera et Jiraya. Domingo a dit qu'il te mettra en costard demain, est-ce vrai? Tu verras. En fait, c'est soit je suis en costard, soit je suis à poil. C'est un des deux. En cosplay de mon perso de QSMP. Oui, c'est ça. Complètement nu, sauf un petit un slip rouge, quoi. Le t-shirt nul avec le motif du costard. Non, ce sera pas ça, t'inquiète. J'ai perdu ma ville, il m'en reste deux. Ah non, les jeux vidéo... Non, c'est pas ça, le t-shirt horrible. Le t-shirt horrible, c'est les jeux vidéo ont ruiné ma vie. Heureusement, il m'en reste deux. Il y en avait d'autres comme ça, attends. C'est ça. Un geek ne vieillit pas, il level up. J'ai tapé t-shirt geek. Je peux pas, j'ai console. À bientôt, maman. Avec, t'as la manette P1 et P2 avec chargement. Un geek ne meurt pas, il redémarre au dernier point de sauvegarde. C'est faux. Un geek meurt. Putain, mais t'as des t-shirts vraiment. Recherche de points. Sosie pour travailler à ma place le lundi. Je sais pas pourquoi on me propose ce t-shirt là maintenant du coup. OMG, Big Flo même, Big Flo Oli, t-shirt graphique Redbubble. J'avoue que ce t-shirt là, on se laisserait tenter quoi. J'avoue qu'on se laisserait tenter par ce t-shirt. Effectivement que celui-là, il est plutôt très chaud. J'avoue qu'il est plutôt très chaud. Donne le lien. Ah non, merde, trop tard, j'ai fermé la page. Désolé. Le t-shirt Big Flo reste pendant la baise. Je sais pas pourquoi on m'a proposé celui-là aussi. J'aime deux choses dans la vie. La technologie, le basketball. Trop bien le t-shirt. Et je peux pas, je geek. Bien sûr. Ah, que font les geeks avant de manger? Or c'est un t-shirt, mais c'est aussi une blagounette. Que font les geeks avant de manger? Ah, il y en a un qui l'a. Ils se mettent à l'tab. Excellent. Je suis un papa. Il faut savoir que chaque mot a une police différente. Je suis un papa gamer, comme un papa normal, mais carrément plus cool. Geek, totalement addict. Bon, en tout cas, c'est que des bangers. Que des bangers. Que des atouts, j'en ai aucun. Mais pourtant, j'ai eu des t-shirts de merde hein, quand j'étais un peu plus jeune. J'en ai eu plein. Mais j'ai jamais eu un truc comme ça, en tout cas. Ligue pas ton t-shirt pour popcorn. Mais est-ce que tu dis que je t'en porterai un t-shirt? Je porterai rien, je te dis. Le site Goéland, putain, j'ai même pas connu tout ça. Hein. C'était quoi Goéland? C'était genre une sorte de QWERTY, c'est ça? Je vois le petit Goéland, c'était ça? Oui, c'est ces trucs-là, oui. Un QWERTY un peu street? C'est pas du tout, enfin, excuse-moi, mais c'est... Là, t'as vraiment, c'est genre l'apéro pour les nuls. Et en fait, t'as le gars, tu sais, des bouquins pour les nuls qui est comme ça avec une bière. Aujourd'hui, je ne fais rien. Et c'est déjà pas mal. Libérer les nains de jardin. Le rayon des fainéants, paresseux, flemmard, c'est ici. Vulgaire, moi, eh ben, ça me ferait vraiment chier, bordel de merde. Mais attends, mais c'est des t-shirts pour les mamounes. C'est pour les attachantes, les célibatantes. C'était le magasin des métal et ouais, ça me pensait un peu à ça. Mais no offense, bien sûr. Il est 30. Oui, allô, bonsoir. J'ai trop aimé ce matriarche, là. Ah, petit matriarche, Fred?